Mission est en marche. La cité doit se préparer à une nouvelle. Oh, bonne nuit, les capards. Je crois que les fervents sont devenus fous. Ils s'attaquent à tous ceux qui ne font pas partie de leur groupe. Moi inclus, je préfère éviter la confrontation. Je sais pas ce qu'ils mettent dans le breu. Ces lumières modernes me donnent la migraine. Vois les choses du bon côté. Au moins, on crèvera pas de faim dans le noir. Tu lis le journal ? Il paraît que l'écorcherie a fonctionné. Ils ont éliminé toutes les bêtes, alors. Une belle pièce. Ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Moyen de quitter la cité. Mais qu'est-ce que tu fiches dehors ? J'attends la tempête qui balayera tout ce merdier. C'est moi, tes renforts. Il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'on va faire ? S'il nous arrête, on est bon pour la charrette. C'est fumier, nous mettons. Hé ! J'aurais juré avoir vu quelque chose. Je vois rien de louche ici. Alors, rien à signaler ? Je ne dois pas baisser ma garde. J'ai mal au cou.
méfier de cette pâte. Ah, je suis crevé en ce moment. Je sais pas ce qu'ils mettent dans le breu. Quelque chose qui tourne pas rond. Oh, on sent la rivière. T'as de la chance, fumier. Tu as quelque chose de la chance de moi.
faut te changer. Attends, ça y est, tempête de plein. Je vais me faire croire qu'il est parti. Ici, un bon salaire, c'est aussi rare qu'une crotte de burek. Tu ressembles presque à un humain, Basso. Si tu survis à ce qu'ils servent ici, tu peux survivre à n'importe quoi. Et ta main? Sensible. Comme ta fierté, je parie. Cette boule de merde mérite ce qui va lui arriver. J'ai besoin d'un service. T'as toujours ton bateau? Oh, à ta place, je me prendrais plutôt une chambre. Trouve-toi une femme, un bon lit et restez sous la couette jusqu'à l'apocalypse. Il faut que je fasse quelques recherches. Un carnaval sans attraction, à propos d'Erin. Si vous achetez, je dois me rendre à l'asile de Moira. Fais-moi signe quand tu seras prêt. Je serai là. Si tu cherches à te faire un peu d'argent, j'ai des petits boulots à te proposer. Les meilleurs contrats de la cité. Ah ! Prêt à partir ? Je me souviens pourquoi je déteste les bateaux. Ah ouais? Ben moi je déteste encore plus nager à leur embarque. Non, je prends les rames. Tu pagais aussi bien que moi je danse. Bien sûr. Ça te fera du bien, un peu d'exercice. C'est quoi le rapport entre Erin et Moira? Tu crois aux fantômes? Hein? Les esprits. Tu sais, les morts qui reviennent hanter les vivants. Pour les punir. Tu penses qu'Erin revient te hanter? Je sais pas, peut-être. Je me souviens d'un rituel. Il y a eu comme une explosion. Erin est morte. Je l'oublierai jamais. Et tout le reste... envolé. Oh, allez, Gareth. Je sais que t'aurais jamais mis cette fille en danger. Ça, elle savait très bien le faire sans ton aide. Ce qui m'attend là-bas, j'en suis sûr. C'est beaucoup trop calme ici, depuis que ça a tourné à l'émeute. Il y a eu des évadés, des bateaux qui arrivent, sans jamais repartir. Gareth ! Je sais pas ce que tu espères trouver là-dedans, mais fais attention. Je voudrais pas que tu deviennes un fantôme. J'ai toujours été un fantôme.
Ça fait belle lurette que cette île a une sale réputation. Est-ce que je suis sûr de te trouver là-bas ? Jolie trouvaille. L'accès est fermé. Pour empêcher d'entrer ou de sortir. D'accord. Quelqu'un attend ma visite, on dirait. Tu ne devrais pas être là. C'est l'asile qui est hantée ou c'est moi ? Commençons par le pavillon des femmes. Belle pièce.
C'est les verrous du baron. Qu'est-ce qui lui tient tant à cœur dans un asile ? Apparemment, je vais devoir me faire interner. Volontairement, bien sûr. Patient. S'il s'est emparé de la clé, il faudra voler au voleur.
donner accès au pavillon des femmes. Qui a été caché doit être dévoilé, non ? Peut-être plus d'informations dans des archives médicales.
peuvent plus les mettre en garde contre toi. Mais qu'est-ce que t'as fait? Montre-moi. Tous morts, sauf les ombres. C'est les ombres qui les ont pris. J'ai besoin d'alimenter ces portes. Il doit bien y avoir un générateur dans les parages.
toi. Ne lui montre pas ta peur. Ne lui montre pas que tu perds le contrôle. Je voulais l'arrêter. Je voulais me sauver. Mais il m'empêche de me réveiller. Faites sortir la primale de cette fille. Mais maintenez-la en vie. Coûte que coûte. Tu comprends la peur, hein, Garrett ? La peur d'être pris au piège. D'être exploité. Vite ! Elle va la corrompre ! Tu vois... Oh... Je fiche tout en l'air. La primale est dangereuse. Il faut la contrôler. Non. J'aime pas ça. Je vais la redescendre à l'étage de la prison. Je croyais que t'étais morte. Mais c'est pire que ça. Tu as volé la primale cette nuit-là. Et le baron veut la récupérer. Ils ont parlé du niveau des cellules. Bon, il faut que je m'enfonce encore plus loin dans ce cloaque. Ils ont changé. Là, en bas.
Jolie trouvaille. Fermer Erin dans ce trou. Je dois vérifier toutes les cellules. Oh.
Qu'est-ce qui s'est passé ici, Irine? C'est toi qui as fait ça? Les pavots arrivent sur des plateaux d'argent. Et je bascule dans les ténèbres. Je suis toute seule. J'ai mal chaque fois que je respire. Je veux que ces voix s'arrêtent. Ça tombe par rond chez les prisonniers. Je croyais qu'à toi, je pouvais faire confiance. Il se transforme! Qu'est-ce qui se passe? Le baron. Il est là. Non! Dépêchez-vous! Éloignez-la du combat! Elle est trop importante pour mourir sur ce rocher! Trop importante pour mourir tout court. Je me demande bien s'il réalise la douleur. Elle est notre avenir! Ce fumier de North Crest m'a tout volé. Tu es dans mon camp, Gareth. La mort va frapper. Moi, je ne le déteste pas. Peut-être que je perds la tête. Y a qu'un seul moyen de le vérifier. Le baron. Retour à North Crest Manor.